Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur une guitare que je vais customiser. C'est une guitare que j'ai achetée au début de l'année, mais qui a été un peu mise de côté car il y a eu quelques événements au début de l'année qui a fait que je n'ai pas pu travailler dessus. Aujourd'hui, je me remets dessus pour pouvoir avancer le projet. Alors cette guitare, c'est un kit de chez Gear for Music, mais je n'ai pas fait l'unboxing car j'ai été trop pressé à ce moment-là et j'ai carrément oublié de le faire. Donc je m'excuse, vous n'aurez pas de vidéo de cet unboxing. Mais globalement, ça reste un kit dans la lignée de ceux que j'ai testé sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous mets en lien en description la playlist où vous pourrez voir tout ce que j'ai travaillé dessus. Là par contre, je n'ai pas testé l'électronique ou l'acastillage. Je suis passé directement à la préparation du corps et du manche. Car je voulais avancer assez vite ma customisation de cette guitare. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est un kit type Telecaster. Je vais faire dessus un motif type religieux d'arc, dont vous verrez l'évolution dans une prochaine vidéo. Et cette guitare, je vais lui donner le nom de Face. J'en profite pour faire un petit instant promo, car toutes les guitares que vous voyez, que je customise sur ma chaîne, dont je fais les peintures dessus, sont mis en vente ou seront mis en vente si j'ai déjà des guitares finies. Ces guitares qui sont mis en vente sont des guitares uniques qui seront vendues avec des certificats d'authentification car pour moi ça reste vraiment un support pour ma peinture type tableau mais sur guitare. C'est pourquoi je fais des certificats d'authentification pour prouver que c'est vraiment des pièces uniques. Et mon but avec ces guitares, c'est que l'acquéreur ait le choix soit de le laisser accrocher dans son salon ou soit de pouvoir jouer correctement avec. Et que cela reste une guitare super jouable pour l'acquéreur. Il se peut aussi que je fasse des commandes sur mesure, mais pour ça, il faut que le sujet me plaise et que ça rentre dans le style que je veux faire, car je veux vraiment y prendre du plaisir et pouvoir faire des guitares telles que je les imagine. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et si vous n'avez pas Facebook et Instagram, vous pouvez aussi me contacter par mail. Je vous mets tout ça en description en bas. N'hésitez pas et je vous répondrai avec plaisir. Après cette petite instant promo, je vous laisse avec la préparation du corps et du manche et on se retrouve après.
les amis, le travail effectué sur le corps et la manche de cette guitare. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très doué avec une scie sauteuse, mais je suis assez content du résultat pour une première. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce que vous avez vu et comment j'ai travaillé, en sachant que j'ai vraiment du matériel de base. Maintenant que le corps est préparé, je vais commencer à faire la peinture dessus. Ça sera une prochaine vidéo que je vous ferai en speed painting pour voir le motif apparaître sur le corps. Je vais prendre le temps de le finir correctement et de monter la vidéo correctement, donc vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite. Mais vous inquiétez pas, je vous la mettrai bientôt. Si cette vidéo vous a plu et que mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire quelques idées pour des futurs projets. Et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu pour faire référencer cette vidéo ainsi que ma chaîne. Et ça me donnera vraiment du baume au cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais faire sur mes prochains projets. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description en bas. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne pour que je puisse développer tous mes projets et avoir de la meilleure qualité au niveau de la vidéo, etc., je vous mets en lien en description mon Tipeee. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine et que la force soit avec vous.